ceux qui veulent, ils le peuvent. Ce sera bientôt le roi des pirates, le plus puissant sur la carte de Black Sword. Une nouvelle vidéo Black Sword tous les jours de la semaine. Une nouvelle vidéo Black Sword tous les jours de la semaine. Les amis, bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo sur Blocksfruit avec les copains, ça faisait un bail. Regardez-moi ça, Yeko est terminé, comment ça va les gars? Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo vraiment pas mal qui va débuter la Blocks Week les amis. Une vidéo Blocksfruit tous les jours pendant une semaine. Et aujourd'hui, on va faire kiffer des abonnés en leur offrant un fruit. Charmant. Sauf que, évidemment, il va falloir qu'ils charbonnent, les abonnés. Voilà, on va pas leur donner tout cuit dans le bec un petit fruit comme ça, ce serait pas intéressant. T'es mal comment il est bloqué dans le. Je l'évite là. Voilà, tu l'évites là. Et je reste comme ça alors. On va tout simplement cacher un fruit dans la map. En si 1, les gars, bah oui, attendez. On a quand même sélectionné une bonne équipe de noobs. C'est pas péjoratif, hein, les gars, c'est juste qu'ils viennent de commencer Blocksfruit. On va non, leur donner c'est un. C'est des noublards, c'est des noublards. On n'est pas méchant avec les abonnés, Yeko. J'ai changé moi depuis. Il s'est caché avec ça, son sac poubelle en plus dans le dos. Je suis Darkman. Putain, bah, mais bien sûr, avant toute chose, les amis, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle et rejoignez le Discord si vous voulez participer aux prochaines vidéos. On va sûrement en refaire des cache-cache comme ça. Vous en dites quoi, vous aimez? Vous aimez le concept? C'est lourd. C'est pas que lourd, c'est Big Mom. Tu vas voir. Les mots aléatoires qui sortent de ta bouche. Je crois qu'elle a dit qu'elle se laisse sentir. Ils sont tous crevés. Ah, tu sens, on est pas bien. Les gars, je suis le seul qui a de l'énergie, c'est quoi ça? Non, on est bien. C'est bon. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on va déjà pouvoir commencer? Est-ce que les gars, on irait pas se choper un fruit random tous les trois et on leur offre le meilleur fruit compact? Mais si, mais bien sûr que si. Allez, c'est parti, les gars. Direction l'île des singes. Allons-en. Ok, Blocksfruit Gacha, vas-y, je commence. Est-ce que je vais drop un fruit vraiment stylé ou pas? Fruit aléatoire, acheté. Allez, donne-moi un bête de fruit. Ok, d'accord, j'ai un fruit extrêmement naze. Vas-y, c'est à moi. Vas-y, autour de Yeko, peut-être tu vas pas qu'un fruit de zinzin. Sur ça, je vais dire ça, fruit aléatoire. Aléatoire de zinzin, okay, allez. Ok. J'ai eu les crampetés. Ok, c'est quoi? C'est un fruit de la glace, ok, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ok, c'est à moi que tu prends. Ah, c'est moi, c'est à moi ça. Il est en train de sucer le glaçon, Termidi. Ok, Termidi, peut-être l'espoir. Wouah, c'est cher, hein. Oh. Oh le rat. Oh, oh le fruit de la flamme. Ok, c'est nul. Oh, c'est bon. C'est un bon début. Ouais, en vrai je sais pas hein. Bah, ouais. En vrai pour le début ça va. Je tenais un calibre. Il avait été refait wesh. C'était... Mais moi je crois que j'ai eu le pire fruit les gars. T'as vu. Bélec, je peux acheter un fruit en vrai. Et faut voir. Ça se trouve il y a peut-être un fruit mieux à acheter. On va voir. Oh, il y a le fruit des ténèbres. Fruit de barbe noire. Ça pourrait peut-être les intéresser. Oh, il y a le fruit du léopard à 5 millions. Choc barre, j'en ai que 2. Tu sais quoi, fruit des ténèbres. Vas-y, tu sais quoi, on va leur offrir le fruit des ténèbres. C'est pas mal le fruit des ténèbres en vrai, non? Oh non, attends, ça me l'a mis. Non, je l'ai acheté pour rien, ça me l'a mis en tant que fruit comme ça. Sous crampe taxe au max. Mais non, ça vient de me. Tu sais que je viens de me faire enfumer 500 000 balles. Eh, vas-y, tu sais quoi, on va leur offrir le fruit de la glace. Tu sais quoi, c'est bien. Moi, quand j'ai acheté un fruit, je pensais que ça me le donnait dans les mains et que c'était bon. Bon, tu sais quoi, vas-y, on va leur faire gagner le fruit de la glace. Bonjour, vous vendez le fruit de la glace? Bonjour, non, moi j'ai le fruit des flammes par contre. Ah oui, d'accord, c'est vous le fruit de la glace. Ok, ça fait vraiment petite échoppe. J'ai posé vraiment le fruit, tu vois. Ils vendent des fruits, ce mec là. Avant des fruits. Bon bah les gars, c'est le premier. On a un fruit pas fou, mais tu sais quoi, garde le fruit du feu. Ça sera pour le deuxième round. On va pouvoir appeler les abonnés. Ils vont pouvoir nous rejoindre normalement. Ok, c'est bon. Tous les abonnés nous ont rejoints. Ça a été fastidieux, mais on a réussi les gars. Regardez-moi ça. C'est des petits levels, voilà, tranquillement. Et wow, hey, Yeko, calme-toi. C'est pas moi. Salmonteur, c'est toujours toi. C'est toujours toi. Pourquoi le rat direct? C'est toujours le rat. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ok, est-ce que vous êtes chauds, les gars? Bon, participez à cette vidéo, ouais. Oh, ils sont déter. Tout doux sur les fruits, tout doux. Ok, les gars. Calmez-vous, je vais vous expliquer le concept de la vidéo, parce que c'est vrai que vous avez été embarqués là-dedans sans savoir vraiment ce qui vous attendait. Les amis, aujourd'hui, on va tout simplement offrir un fruit à l'un d'entre vous. La seule condition, c'est que vous le trouviez, parce qu'on va le cacher dans toute la C1. On va le cacher à un endroit spécifique. Il va falloir le trouver, les gars, tout simplement. Bonne chance. Petite règle, déjà tous les coups sont permis entre vous. Vous pouvez faire des alliances, des trucs, tout ce que vous voulez. Et surtout, n'utilisez pas des fruits qui vous permettent de voler. Je veux tout le monde en bateau, les gars. Comme des vrais marins, les gars. Je suis Goldie Roger, vous allez trouver mon trésor. Est-ce que c'est bon pour vous? Sautez si c'est bon pour vous. Sautez si tout le monde a compris. Il y en a, il veut pas sauter. Ça va, la glace sur l'eau. Non, les gars, tous les trucs qui vous permettent de vous déplacer vite, non, ça marche pas. La glace sur l'eau, c'est pas ouf. Hein. Non, t'es fou, c'est une dinguerie. C'est la V2 du fruit de la glace. Ah, la V2. Ouais, ça le noob. Va avec les autres.
les autres, tu vas jouer ou quoi? Ok, bon, Termidi, c'est quoi, t'as fait le malin, tu vas jouer les... Comment il se cache là-bas? Il se cache comme Chopper. Ok, les gars, tous en ligne, je veux plus que personne ne bouge. Ok, Termidi, toi, tu vas faire le garde du corps, d'accord? Tu vas les surveiller ici pendant que moi, Yeko, on va cacher le fruit, d'accord? Let's go. Là, c'est professionnel de ouf. Et là, c'est professionnel, gros. Directement, on s'en va tous les deux. Ok, je pense que le meilleur endroit pour ce fruit, ce serait quelque part par là. Chef! T'es pas venu, frère? J'ai pas été pris, chef. Chef! J'arrive, t'inquiète. Chef! Ça va? Tu montes sur mon flamant rose. Ouais. Mais Termidi, il gère rien, ça fout le sbeul là-bas, il fait rien. Ouais, mais je fais comment, moi? Bah, maîtrise-les, hausse la voix un peu, là. Bah... Oh, waouh, l'autorité, frère. Moi, je voulais faire votre vidéo, là. Et c'est dédouané du truc. Tu vois, ça me met sur le téco, là. Mais gros, toi, tu gères, t'as un rôle super important. Ouais. Oh non. Ah. Oh non, frère, ouais. tu vas mourir. Ouais. C'est bon, ouais, remonte, non. C'est traquenard. Attends, reviens. Non, mais attends, viens, on va sur l'île, là. Vas-y. Ah, mais attends, mais je sais. Oh, la meilleure cachette, attends, je sais. Moi, je sais. Toi, tu sais, toi? Je sais que tu sais qu'on sait. On se sait ou pas? On se sait 100%. C'est secret. C'est secret. C'est secret. Pas sûr qu'on capte du coup. On s'est pas capté du tout. Mais toi, tu sais, c'est où même là? Quand tu te diriges vers là-bas? Ouais. Moi, je pensais à ça. Oui. Non, ah non, je pensais pas à ça. Ok, en vrai de vrai, est-ce que ici ce serait pas le meilleur bail? Je peux le mettre là en vrai, le fruit là. Ah ouais, ça. Pas mal. Attends. Oh, attends. Mais je crois que tu l'as pris. Non, je suis mort. Ça le voulait. Ah non, c'est moi qui l'ai pris. Attends. Tu l'as reposé. Non, la tête d'homme que non. Je dirais que non. Nickel. Le fruit est drop. C'est bon, normalement, il est là. Hein. Mec, ils vont prendre 20 ans à le trouver, je suis. Mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ils vont prendre 20 ans à le trouver. Ok, voilà. C'est bon. Les abonnés, est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes en ligne, les mecs. Ok, les gars, on va se mettre sur la ligne de départ. Venez sur les quais. Ok, les gars, mon trésor, si vous le voulez, vous allez devoir vous bouger le train. Allez le chercher. Ah, y'en a, il est déjà parti. Hein. Oui. Ah, y'en a, il attend pas. Allez, les gars, c'est parti. Partez à la recherche du trésor. Moi, je suis en là, ils ont grave pas de sous. Ils galèrent à acheter leur bateau. Allez, bonne chance à vous. Voyons voir, ça commence à partir par où, là? Eh, y'en a qui se tapent, hein. Ok, y'en a qui ont accosté à l'île du milieu. Je vois, y'a des bateaux par ici. Y'en a qui vont à l'île des singes. Oh, peut-être que ça chauffe vers l'île des singes. Mais où vont les bateaux, les amis? Où vont-ils? Chacun a une piste différente. C'est vraiment stylé de faire ça, en vrai. Je vais le faire. Ouais, vas-y, Ezert. Moi, je t'ai dit, mon petit chouchou, c'est Ezert. Ah, mais ça, c'est... Pourquoi je suis Termidi depuis tout à l'heure? Je m'en fous de toi. Oh là, oh, il casse tous les arbres. Oh, c'est malin ce qu'il fait. Oh là là, t'as vu, je t'ai dit Ezert. Il est malin, il est malin. C'est dommage que ce soit absolument pas là. Ok, attends, je vais m'équiper de l'item de Katakuri pour voir un petit peu plus loin où sont tout le monde. Ok. Ah, y en a un qui est assez malin. Y en a qui est assez malin. Cependant, on n'a pas dit quel fruit c'était. Ah ouais, ça se trouve, ils vont pas aimer le fruit. Ça se trouve, ils vont peut-être pas aimer le fruit du tout. Et c'est peut-être sûr. Non, mais ils vont le revendre. Ils vont faire de l'achat revente. Ils vont le revendre, voilà. Ça se store, ça se trade, voilà. Trade. On est dans le déni. Ok, il y en a un ici à l'île de la glace. Alors les gars, c'est très drôle ce qui se passe parce que dites-vous, je vais vous donner un indice, il y en a aucun de vous qui est sur la bonne île. Aucun. J'ai essayé de vous éviter de perdre du temps, voilà. On rappelle que en bateau les mouvements. Que en bateau. Pas de fly. Ah, ton petit Ezert, c'est un tricheur. Bon là ça va, c'était non, vraiment non, mais pour aller à son bateau. Eh, ça va, mais c'est ton cousin ou quoi? les gars, attendez. Je crois qu'il y en a un qui est sur la bonne piste, hein. Mais non. Je te jure, je crois qu'il y en a un qui est sur la bonne piste. Yeko, si tu veux venir là où on a caché le fruit, je pense que c'est le bon moment. Ouais, mais non, parce que là, je suis collé à Azert. Ça veut dire qu'il va me voir, allez. Il y en a un qui est sur une très très bonne piste, là, les gars. Très très bonne piste. Attendez. J'ai pas réussi à le rattraper. Je pensais pas qu'il allait aller aussi vite. Ah, jusqu'à il a trouvé l'endroit. Ouais, il y en a un, il est sur une très très bonne piste, les gars. Maintenant, faut qu'il trouve le fruit. Salut, mon pote, ça va? Bon, bah, bien joué à toi, tu as trouvé l'île. Tu es le seul à l'avoir trouvé, mais tu n'as pas encore trouvé le fruit. Et c'est bien dommage. Bah, bonne chance à toi, frérot. J'avais le fruit, mais il s'est enlevé. Quoi? Il a cassé le jeu? Comment ça, il s'est enlevé, chef? Eh ouais, je suis avec sa tête de Roblox, il a cassé le jeu. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Leiko? J'étais comme ça, je sais plus si j'entends celui-là ou celui-là. Ouais, enfin, c'était lui, ouais. Je l'avais, je sautais, je t'ai tiré dessus, puis bah je l'ai plus. D'accord.
Et tu l'as pas dans ton store? Non, je l'ai pas. Vous voulez que je vous prouve que tu l'as pas mangé? Non, non, mais on te croit. Non, la light, regardez. Oui, la light, il l'a pas mangé. Bah, vous voulez que je vous fasse un screen de mon store? Non, t'as juste cassé la vidéo en deux. Désolé. Je sais pas comment ça a pu se passer, mais ok. Bah, vous savez quoi? Au pire, ce sera un autre fruit. Attendez, vous savez quoi? Sortez du vortex. On va cacher un fruit sur l'île des hommes poissons et on va recommencer. On va recacher un fruit. Les aléas du tournage. Bon, alors maintenant, c'est l'heure de trouver une bonne cachette. Il y a trop de bonnes cachettes en fait ici. Trop de bonnes cachettes, ouais. Attends, ils penseront jamais à faire ça, je pense. Oh, c'est une dinguerie si je le mets là. Ah, à quoi? On peut. Attends, Théma. Wesh. En vrai, c'est ok, non? J'aime. Ok, c'est bon, les gars, vous pouvez tous venir à l'île des hommes poissons. Le fruit est caché. Bonne chance à vous pour le retrouver. Okay, ça arrive. Oh, Ezert, il est déter, je le suis. Oh, Ezert, c'est ton poulain, hein? Il a la cape poubelle des rats, ça me fait quelque chose. Ah ouais, ils sont tous en train de chercher là, hein? Celui qui arrive à tuer Odie Jones, il a un indice. Celui qui arrive à tuer le boss. S'il y en a un qui arrive à tuer le boss là, Odie Jones en plein milieu, eh ben il a un indice de fou. Il y en a un qui s'est attaqué à Odie Jones, hein, déjà. Hein. Ah, après, c'est les faibles niveaux. C'est ça qui est drôle, c'est que vous arriverez jamais à le battre. j'ai mis le boss super low, les gars. J'ai mis le boss super low, celui qui le tue. Oh, c'est Ezert. C'est Ezert qui l'a tué, je crois, non? Oh là là, Ezert, les champions. Ah, Ezert, il l'avait call dès le départ. Ok, Ezert, au point de spawn, tu ferais mieux de faire quelques pas en arrière. Voilà ton indice. En fait, c'est un indice pour tout le monde, en fait. J'avais oublié, mais bon. Qui va l'avoir en premier? C'est ça la question. Qui va courir assez vite? Oh, c'était tellement serré. C'était serré de fou. Il va falloir leur lâcher, hein. Ils ont fly pour y aller. Ah vrai, dans le Gelark, il a quand même trouvé le ice, hein. Bon bah bien joué à toi, mais t'as trouvé les deux fruits, hein. T'as un fou furieux. C'est une dinguerie. L'indice, il était donné de ouf. Ouais, l'indice, il était donné. Ouais, les gars, non, j'avoue, mais il fallait que ça se termine. Il fallait que ça se termine, les gars. Oh, le tournage, ça aurait été un fiasco. Franchement, j'espère que vous aurez bien rigolé et que vous aurez kiffé. Bah bien joué à Leiko qui a quand même trouvé ce fruit. Voilà, j'espère qu'il te servira. C'est le fruit de la flamme. Il a quand même une V2 stylée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci à tous les abonnés qui ont participé. J'espère que ça vous a plu aussi, les gars. Bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut! Eh, mais en vrai, le concept, il est chaudard. Faudrait qu'on en refasse, oui.